Dieu, viens à mon aide. Thank you.
De la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Thank you.
Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres. Fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, fais de nous des instruments de paix. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde inépuisable, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement, lui qui règne pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.